Salut guys, what's up guys, on est de retour pour un nouveau vlog. Aujourd'hui j'ai essayé de vlogger avec ma caméra et pas mon téléphone. Donc j'ai essayé de vlogger toute la semaine avec ma caméra. J'espère que vous m'entendez bien, puis j'espère que la qualité elle est passable, parce que je sais que cette caméra elle est un peu you know, it's not the highest quality, but it's whatever. Donc là je viens de recevoir un paquet de FedEx. Donc ça c'est quelques commandes de mes clientes, parce que là j'ai un Black Friday pre-sale qui se passe, qui finit la semaine prochaine. Donc là je suis en route pour le studio parce que je vais aller laver mes cheveux. J'ai remarqué que je préfère laver mes cheveux au studio parce que ça fait moins de dégâts dans ma salle de bain. Donc I'm gonna go ahead and do that. Puis après ça je vais aller chercher ma mère à l'aéroport. Donc là il est quoi, 11h30, je suis déjà en retard pour le vrai. J'étais supposée être au studio il y a 30 minutes, so j'arrêtais de blablater et on y va. Ok guys, donc là mes cheveux ils ont l'air de ça. J'ai oublié mon bandeau, fait que j'arrive pas à les aplatir comme je voudrais. Là on dirait que j'ai perdu des cheveux sur la devanture. Ah, en tout cas, bref. C'est pas que j'aime pas porter mes cheveux naturels, mais c'est juste que it's not looking how I want it to look. It never looks how I want it to look. Parce que là, pour que ce soit bien slick, faut que je mette du gel. Puis ça me tente pas de mettre du gel parce que je viens de les laver, right? Mais on dirait que j'aurais pas le choix. But, ou peut-être je vais essayer de trouver une autre manière de les porter. But anyways, ma mère vient de m'appeler pour me dire qu'elle a atterri. En tout cas, elle est en train de prendre ses bagages et tout. Donc j'allais la chercher à l'aéroport. Mais avant d'aller la chercher, il faut que je m'arrête pour prendre un truc à grignoter. Parce que j'ai pas mangé depuis le matin. And the girl is starving. Comme je commence à avoir mal à la tête et tout et tout. So, j'allais chercher quelque chose à manger. Donc, pour de vrai, il faut vraiment que j'arrête de faire ça à la sortie de la maison sans manger. I need to stop. Parce que j'ai l'impression qu'un jour, je vais m'évanouir devant les gens là en public là. And I'm not here for that. So, en tout cas, je vais aller soit au Starbucks ou... Starbucks ou Tim Hortons, je vais voir. Parce que je pense que le Tim Hortons, il n'y a pas de drive-thru. Puis ça ne me va pas sortir de l'auto. Puis le Starbucks, des fois, c'est la ligne est juste trop longue au drive. En tout cas, je vais voir. So, je vais vous montrer qu'est-ce que je prends. Bye. Ok, guys. Donc, finalement, j'ai pris du Starbucks. Puis j'ai pris avec un sandwich. Mais honnêtement, les sandwichs de Starbucks, je suis pas trop
pas. Je sais pas si c'est parce que c'est trop vert, mais je sais pas, j'aime pas trop leur sandwich, mais là j'avais pas le choix parce que j'allais m'évanouir. Donc là je viens d'arriver de l'aéroport. Puis j'avais une rencontre d'équipe pour un travail avec une fille, mais là elle peut plus parce qu'il y a un cours. Genre on était supposé se rencontrer plus tôt, puis je savais pas que ça allait me prendre beaucoup de temps à l'aéroport là. Mais là elle peut plus, donc qu'est-ce que je vais faire parce que je suis tellement fatiguée. Et là mes cheveux, vu que en revenant de l'aéroport et tout, il neigeait et tout, là mes cheveux ont juste pris encore plus de volume. Je vais juste aller ship une commande à la poste et je vais revenir, je vais prendre une sieste de comme peut-être 30 minutes et je vais sûrement aller à la bibliothèque. Il est genre, il est 3h50. Est-ce que j'aurai le temps d'aller à la bibliothèque? En tout cas, je vais aller à la bibliothèque juste pour aller à la bibliothèque parce que... Où est-ce que je vais à la bibliothèque maintenant? Non. Peut-être je vais faire une sieste maintenant. Et je vais ship le paquet en allant à la bibliothèque. C'est pas plus smart comme ça. Ouais, parce que la poste ferme à 8. Je vais faire une sieste. Max une heure. Fait que je vais me réveiller à genre un peu avant 5 heures. Je vais mettre une alarme. Je vais aller ship le paquet. Puis je vais aller à la bibliothèque. Yeah, that sounds like a plan. So, basically, on se voit à la poste ou à la bibliothèque. Bye! J'ai pris des bouteilles d'eau, mais là je marchais puis là j'ai vu ça. Ok, puis je voulais les acheter sur Amazon à comme, je crois c'était comme entre 25 et 30 dollars, mais là je viens de voir que c'est en rabais ici. Et Amazon ça me disait que ça allait prendre du temps pour arriver, je sais pas quoi. Fait que là je vais juste le prendre ici parce que j'en ai déjà des comme ça de Amazon, j'en ai acheté 3. Et là, celui-là, il vient avec ça à l'intérieur pour ce prix-là. Alors que d'Amazon, c'était juste la machine seule. So, je pense que j'ai acheté ça. Puis. Et les bouteilles d'eau, puis j'allais à la bibliothèque. Dans une heure environ, donc à 11h45 ou 11h30, pour de vrai je suis pas sûre, mais je vais partir, je pars toujours une heure avant parce que mon cours c'est au centre-ville et pour trouver ça seulement, arriver en classe, tout ça, ça prend du temps, fait que je pars bientôt. Mes cheveux, on va voir qu'est-ce que ça donne aujourd'hui parce que là j'ai mis ce bandeau là, ça devrait être mieux. Ok, we're rocking with something. Comme, c'est beaucoup mieux que hier, là, genre au moins c'est un peu aplati, c'est pas juste gonflé et tout, donc ça, ça va. J'ai vraiment l'air d'un enfant avec ces cheveux-là, but anyways, je vais aller dans le dos me préparer. I'm ready to go, je sais pas pourquoi I'm rambling, but I'm ready to go. Parce que à part mon cours, je vais rester à l'école étudier, puis après, je vais rentrer où? Je vais aller au studio pour préparer ma journée de demain parce que demain je travaille. Donc les lundis, je travaille pas. Sauf sur exception.
les mardis, un mardi sur deux, je travaille. Donc, ce mardi-ci, je ne travaille pas vu que le cours il est en présentiel. Les mercredis, je travaille. Jeudi, je ne travaille pas, sauf par exception parce que j'ai des cours. Vendredi, samedi, je travaille. Non, je ne travaille pas. Sur là, je vais juste vous... on va juste aller à l'école, aller en classe parce qu'il faut que j'ai une bonne place aujourd'hui. Ok? En plus, tellement ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de cours en présentiel. Je ne sais même plus c'est quel local. Il faut que je check ça. Ok, à tantôt. Ok, guys. Je suis arrivée dans ce stationnement. Je suis dans le stationnement de comme l'hôtel devant l'école parce que je sais même pas où est le stationnement de l'école. Fait que là, je dois marcher pour arriver au building et ensuite arriver à mon cours. Je pense que j'arrivais juste à l'heure alors que je voulais arriver en avance parce que je sais pas. Je suis trompée, je croyais que le cours c'est à 11h45 mais c'est à 11h30. So, anyway, je vous vois en classe. Là, je suis juste en route pour aller au studio. Il est 8h10. Je vais voir s'il y a du trafic ou pas. Je sais pas pourquoi, mais mon iPhone commence à bugger. Comme là, j'ai un 11. Et le téléphone fait comme si I need a new one. But do I got the coins for a new one? Not now. Not now. Ok, c'est que là ça me dit. Oh, il n'y a même pas le réseau. Bon, il faut que je sorte. Ok, c'est ça bug. Ça buguait pas. Il n'y avait pas le réseau. Désolé, Apple. Ok, je mets. Puis, techniquement, il ne devrait pas avoir de trafic à cette heure-ci. Bon, là, la sortie, elle est où? Ok. Il ne devrait pas avoir de trafic à cette heure-ci. C'est pour ça que je fais exprès de partir comme. Parce que quand je suis au centre-ville. J'évite à tout prix les heures de pointe. Fait que quand je suis à Montréal en général, genre quand je suis hors de Pierrefonds, j'évite les heures de pointe as much as I can. Parce que j'aime pas rester dans le trafic. Je déteste, si vous voulez mettre ça comme ça, je déteste rester dans le trafic. Donc je préfère
partir plus tôt ou plus tard. Donc, entre 3h et 18h, tu me trouves pas sur la route, moi, là, si je suis hors de Pierrefonds, comme si je suis au centre-ville ou quelque chose. Parce que, no sir! Ok, là, on est comme dans un labyrinthe. Oh, là, ça marche. Ok, il n'y a pas de trafic. Very good, very good. Là, je vous ai mis là, mais je sais pas si je vais vous garder là parce que. J'ai l'impression que quand je tourne le volant, on me voit pas bien. Puis je sais pas si ça va bouger, ça, il y a ça aussi. Est-ce que je vais mettre du gaz bientôt? Bientôt, je vais mettre du gaz. Like, all these things were having a car. Like, I'm just a girl, please. I'm really just a girl. Ouh, il fait chaud. J'ai enlevé mon manteau tout, là. Mais pour vrai, j'abuse. Comme il fait même pas encore moins 10, puis je porte un gros manteau d'hiver avec une affaire comme ça, là. Y'all moved. Y'all moved. Ok. Bon, là, je dois faire une acrobatie pour ouvrir la porte. Ok. Ah, non, ça s'ouvre tout seul. Ok. Alright. Fait que là, je m'en vais au studio parce que j'ai des petits trucs à faire pour demain. Parce que comme je l'ai dit, demain je travaille, donc j'ai des petits trucs à préparer. J'ai préparé les perruques, les extensions et les fils parce que je fais sew-in et wig install. Donc je vais juste prep everything pour pas perdre de temps demain. Et c'est ça, demain matin aussi j'ai une rencontre, la rencontre que je suis supposée avoir hier avec l'équipe d'équipe. Finalement on va faire ça demain, mais vas-y! Oh! Finalement, on va faire ça demain. J'essaie de tourner doucement pour pas vous secouer, mais c'est pas facile. Alright, guys. Regarde là, maintenant il tourne, mais le feu est même pas vert. Oh! En tout cas. Ok. I think we're done. I think we're gonna stop here. And I'm gonna catch back with you guys when I'm at the studio, ok? Okay, all right, guys, c'est un peu messy at the moment. Mais je suis en train de faire de la customisation. Est-ce que ça va focus? Anyway, je suis en train de faire de la customisation. Puis un peu de coloration. Ouh! Bleach bath ici. Donc je vais faire ça. Je vais le laver quand ça sera prêt. Je vais continuer de ranger, balayer, blablabla. Puis ensuite, I'm going to head home. Salut guys, on est mercredi, puis aujourd'hui c'est tough, c'est vraiment difficile. J'ai pas encore mangé, je me suis réveillée assez tôt pour faire mon travail d'équipe, puis j'étais tellement fatiguée, je me suis rendormie. Oh my god, il fait tellement beau aujourd'hui. Fait quoi, je me suis rendormie, puis là je me suis levée. Genre, je dois être au studio dans comme 10-15 minutes. J'ai faim. Fait que j'aurai pas le temps de manger jusqu'à après mon rendez-vous. Je vais essayer de grignoter sur comme des chips ou quelque chose. But...
This looks good already. Oh my god. J'ai fini ma première cliente. La deuxième, elle a eu un empêchement, donc elle a reporté son rendez-vous. Donc je suis encore là. J'ai même pas la force de nettoyer. C'est le premier truc que je mange de la journée et ça vient de tout se verser. Je crois que c'est juste à la maison que je vais manger parce que voilà, j'attends que mon sel charge et je vais rentrer chez nous. What is this? What is this? Come. Anyways. Wait, anyways, guys, bye.